recommencer à zéro puis dire, mais un instant, attention, voici la situation, d'où elle vient. La situation dans laquelle nous retrouvons aujourd'hui est une situation qui a été créée et on l'admet maintenant. On ne l'admettait pas il y a 50 ans, on ne l'admettait pas il y a 20 ans, on ne l'admettait pas il y a 10 ans. Mais là, on commence à l'admettre de part et d'autre et partout. 150 ans de démolition d'une politique fédérale qui a tout fait pour détruire les Autochtones, les cultures autochtones, les langues autochtones, l'originalité de la diversité culturelle. Pour réfléchir à l'ampleur de cette tragédie historique, on revient au tout début. Vous savez, il y a au Canada la commission Vérité et Réconciliation. Si le mot « vérité » apparaît au titre « Vérité et réconciliation », ça veut dire qu'il y a eu un immense mensonge. Et ce mensonge, ben, il faut le démolir, c'est lui qu'il faut discréditer. Les Indiens sont inférieurs intellectuellement, sont incapables de civiliser, ce sont des résidus de la préhistoire. Ils sont au fond du baril de la classification des races. Il faut dire qu'à cette époque, tout l'Occident on n'apprend pas la diversité culturelle des Premières Nations, on n'apprend pas la diversité culturelle du monde, on n'apprend pas l'histoire de l'Afrique, on n'apprend pas l'histoire de l'Asie, on n'apprend pas la condition humaine, on apprend une chose, c'est que le blanc domine et l'être humain le plus supérieur sur Terre, le plus intelligent, et c'est ce qui explique pourquoi il domine tout le monde. Ça explique le colonialisme de l'Occident, ça explique l'esclavage, le blanc domine. Et derrière, on va classer les races, on fait un palmarès des races. Vous allez me dire, c'est odieux, vu à la lumière de 2017, mais le racisme est encore vivant aujourd'hui, dans l'actualité. Avec la suprématie de la race blanche. Alors, c'est une vieille idée qui traîne de la supériorité d'une race sur l'autre, fondée sur la capacité intellectuelle de la race. Il n'y a pas un système en place qui fait qu'on s'organise pour discriminer. Mais le racisme est encore vivant aujourd'hui, dans l'actualité, avec la suprématie de la race blanche. Alors, c'est une vieille idée qui traîne de la supériorité d'une race sur l'autre, fondée sur la capacité intellectuelle de la race.